plaisir pour moi de retrouver mes ex-étudiants qui sont mes collègues maintenant et qui continuent le cheminement du savoir. Et Alhamdoulilah, Hunayna et Mouldi ont réussi à m'en persuader de revenir travailler à 2 heures d'après-midi. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est une occasion pour leur un peu communiquer ce qui me préoccupe actuellement et qui probablement vous préoccupe tous et qui préoccupe le monde, n'est-ce pas? C'est le rapport entre populisme et crise de la démocratie. Et plus exactement, crise de la démocratie représentative. Et ce thème, apparemment, c'est un thème qui est politique, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que, en fait, il traduit une réalité sociologique. Il traduit une mutation dans la société. Ce n'est pas un hasard que dans le monde, la démocratie représentative produit actuellement le populisme. Ce n'est pas du tout un hasard. Donc j'essaie d'expliquer cette vague, parce que on est dans le monde en présence d'une vague, même dire d'un tsunami, qui n'a pas épargné la Tunisie. Je vais essayer de montrer que derrière l'émergence de ce phénomène, il y a donc des changements, des transformations dans la société et dans le système économique mondial. Tout à l'heure, Moody parlait d'Hegel. Je me rappelle toujours cette formule d'Hegel lorsque à Iéna, il a vu Napoléon passer. Napoléon venait conquérir l'Allemagne. Et Hegel disait, j'ai vu l'esprit passer. J'ai vu l'esprit à cheval passer. Il entendait par là tous les acquis du siècle des Lumières. Napoléon incarnait, est un produit de la Révolution française de 1789, et il traduisait toute cette effervescence intellectuelle du XVIIIe siècle, qui s'incarnait, se concrétisait dans la Déclaration des droits de l'homme, dans l'émergence des valeurs universelles, dans le Code civil. Hegel voyait en lui l'incarnation du Code civil, donc le droit positif, l'état de droit. Les libertés individuelles, les libertés de conscience, et on retrouvait cette perception, on l'a retrouvée aussi chez Kant. Kant voyait la Révolution française, il la voyait comme un événement
à partir duquel l'homme commence à penser par lui-même. L'homme commence à penser par lui-même. L'homme commence à penser sa vie et à se penser en tant qu'acteur de sa vie. Et cette période d'euphorie en Allemagne par rapport à cet apport de la Révolution française, évidemment, va petit à petit décliner. Et on va aboutir à une période où l'Allemagne va rejeter ses valeurs. Et on va assister à l'émergence en Allemagne d'une distinction entre ce que les Allemands appellent civilisation, qui est la civilisation universelle, et ce qu'ils appellent la culture, qui est une culture communautaire. Et donc ils vont exalter la communauté aux dépens de la civilisation universelle. Et la communauté, la Gemeinschaft, comme disait Tonis, par rapport à la Gesellschaft, la société étant basée sur le contrat, et la communauté est basée sur le lien de sang, sur le territoire, sur l'enracinement du sol. Et vous allez avoir donc toute une tendance qu'on va retrouver chez Wagner et qui va arriver jusqu'à Foucault, le rejet du paradigme des lumières, du paradigme de la civilisation, et ça a donné le fascisme en Allemagne. Donc, ça a donné le fascisme, évidemment, entre les deux guerres, et après la crise de 1929. Et donc, on passe du paradigme que j'appellerai le paradigme de lumière, paradigme universel, à un paradigme communautariste, communautaire, un paradigme donc qui exalte des valeurs identitaires, des valeurs culturelles enracinées dans le territoire, dans le sol, dans la nation, n'est-ce pas ? Dans le mot paradigme, c'est un mot très intéressant, auquel on trouve un équivalent dans le mot épistémé de Foucault, n'est-ce pas ? Paradigme, c'est une manière de voir. On passe d'une manière de voir à une autre manière de voir. Manière de voir, à la fois, c'est la perception du monde, la manière dont on appréhende le monde, et en même temps, une structure cognitive d'analyse du monde. C'est à la fois une perception et une connaissance. Et cette manière de voir, cette manière d'appréhender le monde, va se transformer entre les deux. À la faveur du fascisme en Allemagne, mais aussi le fascisme en Italie, et avec le totalitarisme en Union soviétique. À ce moment-là, donc, on passe d'une manière de voir à une autre manière de voir. Et ce problème dans les écrits des sociologues fondateurs. Ce qui est en jeu, vous savez, le 19e siècle a été perçu comme un moment républicain. Mais le 19e siècle a été perçu aussi comme un moment de réflexion sur la démocratie. Et on retrouve
dans les écrits des sociologues, on retrouve une réflexion sur la démocratie. Réflexion qui va donner lieu à des orientations différentes. On va retrouver, par exemple, une réflexion de la démocratie chez Durkheim. C'est pas connu. Durkheim est connu pour avoir travaillé sur l'éducation, sur le suicide, sur la parenté, mais il a une réflexion sur la démocratie, et cette réflexion sur la démocratie a été perçue comme une hostilité à la démocratie. Alors, pour Durkheim, il ne croit pas que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, au service du peuple. Pour lui, le peuple doit être, quel que soit le type de société, la démocratie c'est un mode de gouvernance, et dans toute gouvernance, il y a une minorité qui dirige et une minorité qui est dirigée. Donc, quel que soit le cas de figure. Mais pour lui, ensuite, chez Durkheim, il n'accepte pas que le peuple soit un ensemble indifférencié. On ne peut pas parler de peuple d'une manière indifférenciée. Parce que pour lui, parler du peuple comme un ensemble indifférencié, c'est l'assimiler à une tribu, c'est l'assimiler à la solidarité mécanique. Tout le monde se ressemble, tout le monde est dans le même paquet, et donc on revient donc, d'après lui, à cette forme de solidarité mécanique qui caractérise les sociétés dites primitives. Mais pour lui, les sociétés sont indifférenciées, sont différenciées, je veux dire, donc à cause de la division du travail, à cause de la complexité de la vie collective, et donc la manière dont cette société indifférenciée prend conscience d'elle-même, c'est ça la démocratie. C'est lorsque cet ensemble indifférencié prend conscience de lui-même, et il prend conscience dans lui-même, dans l'État, dans la rationalité de l'État. Ce qui fait que, pour Durkheim, l'État, c'est un peu, incarne la rationalité, la raison qui se dégage de la société. Et Durkheim s'inscrit dans tout un courant qui pense que le rapport entre l'État à la société doit être un rapport de communication. Et il parle de pathologie de la démocratie lorsqu'il n'y a pas de communication, ou lorsqu'il y a trop de communication. Et c'est pour ça que Durkheim est un peu réservé vis-à-vis du suffrage universel. Le suffrage universel favorise l'émotion, dans le suffrage universel, le candidat essaie de séduire, essaie de répondre à des attentes et non à incarner la rationalité et l'intérêt. Et donc, peut-être à tort, Durkheim était perçu par exemple Jacques Rancière comme étant hostile à la démocratie, ou du moins puisque il pense que la démocratie, c'est lorsque c'est la réflexion de la société sur elle-même, c'est l'ordre de la réflexion, pas de l'ordre de l'émotion. Avec Marx, il y a une réflexion sur la démocratie aussi, on la retrouve. Mais Marx, vous savez, est assez critique vis-à-vis de la démocratie, juste comme formelle. Et pour lui, la démocratie,
doit se signifier elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie doit exprimer la société, exprimer directement le peuple. Donc, il remet en cause toute cette intermédiation de représentation de l'institution. Vous savez tous que chez Marx, il y a cette idée que l'institution peut capter l'énergie sociale, peut se figer, peut s'objectiver, peut se réifier et donc peut trahir la société. Et cette conception va se retrouver chez Lénine et elle va se retrouver chez Staline. Et vous avez donc dans le système soviétique de l'époque, vous avez cette idée que le parti incarne la société. Et le parti est incarné par le comité central, et le comité central est incarné par le secrétaire général. Vous avez donc, le secrétaire général peut dire, moi, je suis la société. Comme quelques temps après, le leader populiste va dire, moi, je suis le peuple. Gaëtan, le leader populiste colombien, dit « Moi, je suis le peuple ». Et d'ailleurs, récemment, Mélenchon, dans son affrontement avec les policiers, a déclaré « Moi, je suis la République ». Et donc, vous avez cet aspect qu'on retrouve, et donc, en remontant du soviet jusqu'au sommet, on retrouve cette espèce de rapport à la société où le parti incarne la société. Et Trotsky, évidemment, qui était hostile à Staline, trouvait ça ridicule. Il dit, on est plus fort que Louis XIV, parce que Louis XIV disait, moi, je suis l'État. Et Staline dit, moi, je suis la société. Donc vous avez là donc des formes de démocratie pratiquées à partir des intuitions de Marx. Mais vous avez toujours cette espèce, comment dire, de république démocratique ou de démocratie républicaine. Il y a toujours une tension entre démocratie et république dans l'histoire de la démocratie. Durkheim est plutôt républicain. Il pense que ce sont les meilleurs qui réfléchissent, gouvernent. C'est ceux qui réfléchissent, qui sont conscients de la société qui doivent gouverner. Et dans la République, on est mandaté, les meilleurs sont mandatés pour retrouver et pour exercer le pouvoir. Et je pense que, par exemple, Bourguiba est plutôt républicain que démocrate. Parce qu'il pense qu'il faut rationaliser. Il pense que la raison doit rendre compte, doit orienter le peuple. Il ne doit pas exprimer le peuple. Et ce mandat existe jusqu'à nos jours en France, où Jacques Rancière parle de haine de la démocratie. C'est-à-dire que l'élite, vous savez que les Français ont voté contre la Constitution de Maastricht. Non, alors, pour eux, le peuple n'arrive pas à comprendre ses intérêts universels. Jacques Rancière évoque cet aspect de réserve vis-à-vis de la participation
du peuple. Et j'ai discuté avec Samir Cheikh tout à l'heure, cette rupture de paradigme, je l'ai constatée aussi en Tunisie. En Tunisie, on a vécu deux moments. On a vécu le moment de la Colib, c'est-à-dire la commission des libertés individuelles et de l'égalité, qui était un projet universaliste, qui relève du paradigme des Lumières, qui descend directement des droits de l'homme et de la modernité, et qui a échoué lamentablement. Et on vit à la mort de son promoteur, renaît un mouvement populiste totalement antithétique dans sa manière de voir et dans son rapport à la société et à l'homme. On assiste à un passage, c'est un passage très important, hein. Et on est en train, en Tunisie, de le sous-estimer, n'est-ce pas ? On dit « Chabaoui ». Le mot, la traduction est fausse. Non, il faut dire « Chabi ». Chabi, c'est-à-dire le populisme comme stratégie de conquête de pouvoir et populisme comme régime et populisme comme système politique et populisme comme gouvernance. Et ça, c'est sérieux, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est une mutation à la fois dans la société et dans le type de gouvernance. C'est sérieux et ça a été théorisé sérieusement. Vous avez des théoriciens du populisme qui ont construit une théorie. Je cite les œuvres d'Ernest Laclau et de Chantal Mouffe. Ces auteurs construisent une théorie du populisme et ils construisent une théorie transforme le populisme en instrument de conquête du pouvoir. Chantal Mouffe a conseillé Podemos, par exemple. Elle vient du mouvement d'autogestion des années 60. Elle est déjà autogestionnaire. Évidemment, Chantal Mouffe s'intéresse au mouvement populiste dans le monde. On assiste actuellement dans le monde à une concomitance de mots populistes. Aux États-Unis, en Italie, en Europe de l'Est, en Hongrie et en Pologne, en Inde, avec Modi et l'hindouisme. Et tous ces mouvements ont un paradigme commun. C'est quoi le paradigme commun ? Hostilité à l'élite, hostilité aux intellectuels, hostilité au savoir, exaltation de la religion, exaltation du nationalisme,
exaltation du protectionnisme, hostilité aux valeurs universelles des droits de l'homme. Je disais un jour que si les droits de l'homme, on devait les représenter en la science unie actuellement, c'est pas sûr qu'ils puissent avoir la majorité. Donc il y a une espèce d'hostilité à tout cet héritage. Aussi hostilité au savoir. Il y a une discipline qui s'appelle l'ignologie, la science de l'ignorance, n'est-ce pas ? Avec les faits alternatifs, la vérité alternative. Actuellement, Bolzano a accusé le directeur de l'Institut national de l'environnement qui surveillait l'Amazonie par satellite. Il l'a accusé de traître de la science. Parce qu'il surveillait les incendies. Ce modèle s'explique différemment, n'est-ce pas ? Aux États-Unis, ça s'explique par la désindustrialisation de zones immenses, ça s'explique par l'importance de l'évangélisme protestant, ça s'explique par un rejet de l'élite. On trouve la même chose aussi en Italie avec Salvini. Pour Chantal Mouffe, l'explication fondamentale, c'est la néolibéralisation de la social-démocratie. C'est-à-dire la social-démocratie est devenue néolibérale. Et donc, elle ne peut pas satisfaire les demandes des classes. Néolibéralisation de la social-démographie. Et deuxième aspect, aussi important, crise du néolibéralisme. La crise de 2008. Le néolibéralisme est en crise, en profonde crise, et est en train d'évoluer vers une forme de mercantilisme. Et c'est des événements faits qu'il n'y a plus. Il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de droite. Il n'y a plus de gauche. Et parce que la gauche n'arrive pas à satisfaire les demandes des éléments déclassés. Pour Chantal Mouffe, le populisme apparaît dans une société. Vous savez, le sociologue polonais Bauman parle de société liquide, c'est-à-dire une société qui n'est plus structurée par les classes sociales. C'est une société qui s'est complètement segmentée. Dans lequel les syndicats ont perdu leur pouvoir, dans lequel les ouvriers ont disparu suite à la désindustrialisation. Et donc, ceci est favorable à la montée d'un mouvement populiste qui donc engrange toutes ces angoisses. Et évidemment, il y a un socialisme de droite qui est un socialisme xénophobe, qui est un socialisme identitaire. Et puis vous avez un socialisme de gauche qui alors essaie de radicaliser la démocratie. Et Chantal Mouffe s'inscrit dans ce mouvement. Son projet, c'est de radicaliser la démocratie dans le sens de la gauche, en transformant le populisme en stratégie de conquête du pouvoir. Et pour elle, il s'agit de créer des chaînes d'équivalence des demandes.
des demandes des groupes et des segments. Vous savez, les segments ont des intérêts différents, mais il peut y avoir une équivalence entre les segments qui finissent par converger et fusionner. Et donc, ce qu'elle appelle peuple, Chantal Mouffe, ce n'est pas une substance, c'est une construction. On construit son peuple. Trump construit son peuple en s'adressant au Middle-Ouest et en dénigrant l'élite de la côte Est. Il construit son peuple. Le peuple se construit. Et donc, ce n'est pas une substance, pas une donnée. Et donc, pour elle, si on arrive à créer cette chaîne d'équivalence, on arrive à prendre le pouvoir. Elle a conseillé Podemos. Et Podemos a pris le pouvoir. Mais le problème de Chantal Mouffe, c'est que cette fusion est de courte durée. Le populisme de gauche en Europe a échoué partout. Et il a favorisé plutôt le succès d'un socialisme de droite. Il y a un auteur qui est spécialiste de la démocratie et qui s'appelle Rozon Vanon, qui a essayé, dans une démarche weberienne, qui a essayé de construire l'idéal type du populisme. Alors, l'idéal type du populisme, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de vous décrire cet idéal type du populisme tel que Rozon Vanon le présente. Alors, premier trait, le leader est une représentation incarnée. Vous savez, dans l'entre-deux-guerres, le professeur de droit constitutionnel allemand et théoricien du nationalisme socialiste Karl Schmitt dénonce en Allemagne le parlementarisme bourgeois et anticipe donc sur le populisme. Il y a une réserve vis-à-vis du parlementarisme. Donc, il remet en cause la représentativité ambiguë et incertaine. La représentativité ou la représentation porte en elle la trahison, la possibilité de la trahison, donc elle est suspecte. Donc, il va s'orienter vers des espaces où la certitude est assurée, comme l'identité nationale, la race, l'État. Alors, le projet populiste essaie de retrouver une unité dans la société. Cette unité va s'opposer à l'oligarchie, une élite, et donc il va construire cette unité en s'opposant à l'oligarchie, à l'élite, mais aussi en créant des ennemis extérieurs, l'impérialisme, le sionisme. Et donc, elle permet de restructurer les antagonismes sociaux. Alors, le populisme est aussi porteur d'une conception directe du peuple, par opposition à la souveraineté confisquée par les représentations parlementaires. Le référendum est un acte démocratique par excellence, avec la pratique de la réélection infinie, la précarité électorale, l'élection restructurante. Vous savez, au début de la démocratie en France, on passait toute une journée à se réunir. Et le président restait président pendant un mois, puis on changeait de président. Et voilà, jusqu'à maintenant, aux États-Unis, on change d'une manière périodique de représentant. Le peuple prend le pouvoir par une constituante. Le populisme est fondé sur l'idée du peuple différente du populaire de la population. Le peuple est une construction historique. La démocratie antagonique
exclut le consensus. Le populisme assume le conflit. Et chez Chantal Mouffe, elle pense que dans le populisme, il faut qu'il y ait un « nous », « nous » et un « eux ». Et il faut qu'il y ait une frontière politique entre les deux. Évidemment, le concept de classe est abandonné pour une représentation horizontale. Les demandes sociales des différents segments de la société s'articulent sur une chaîne d'équivalence pour former une volonté collective et retrouver une unité dans une société divisée et d'instaurer un nouveau antagonisme. Alors c'est quoi le nouveau ? Oligarchie, peuple, élite, peuple. Alors, hostilité à la presse. Pourquoi ? Parce que la presse représente le capital et non le peuple majoritaire. Hostilité à la justice constitutionnelle, parce qu'elle ne représente pas le peuple. Dépasser la légitimité arithmétique par une légitimité profonde, morale, authentique. Alors, vous avez là, évidemment, un modèle, une modélisation qui permet de comprendre les formes concrètes. Mais dans cette modélisation, manque un facteur très important. C'est le facteur des réseaux sociaux qui explique le populisme actuel. Et il y a deux auteurs qui ont pointé le phénomène des réseaux sociaux, une américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance », où elle montre la mutation redoutable des réseaux sociaux. Parce qu'on a cru que les réseaux sociaux changeaient les comportements de consommation. Mais non, les réseaux sociaux peuvent changer les comportements électoraux. Et le livre de Giuliano Poli, il a écrit un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Et vous savez, en Italie, Salvini a sa plateforme qui s'appelle « Bestia », la bête, et les 5 étoiles ont leur plateforme qui s'appelle « Rousseau ». Et cette plateforme arrive à collecter des données et à les restituer sous forme de slogans qui exaltent la colère et fusionne les individus dans un mouvement de protestation. Les réseaux sociaux vont jouer un rôle très important pour créer un espace où on peut construire le peuple. C'est-à-dire le peuple se construit dans l'espace de la toile. Et évidemment, une fois construit dans l'espace de la toile, il peut conquérir et occuper l'espace public. Et l'espace public manquait à Durkheim. Durkheim n'a jamais pensé que l'espace public allait jouer un rôle déterminant. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans la deuxième vague des protestations populaires et populistes au Soudan, au Liban, en Irak, en Bolivie, en Hong Kong, en Chili, évidemment en Irak on a coupé l'internet, mais ça fonctionne toujours. Voici un peu donc ce que cette espèce d'analyse que j'ai voulu faire dans le contexte mondial. Dans une deuxième partie, je vais essayer d'analyser ce qui s'est passé en Tunisie. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? Mais ce que je viens de dire, vous aide à comprendre ce qui s'est passé en Tunisie. Alors, ce qui s'est passé en Tunisie,
C'est un phénomène très simple. Au premier tour, toute la classe politique a été écartée. Et on a eu deux leaders populistes. Et ces leaders populistes ont une stratégie différente. L'un a essayé pendant des années à exploiter le gisement des pauvres, et l'autre, pendant des années, a essayé d'expliquer le gisement des jeunes. Or, c'est très simple. La démocratie, c'est l'arithmétique. On compte les voix. Démographiquement, dans l'électorat tunisien, ceux qui sont les plus nombreux, c'est les pauvres et les jeunes. Alors, si on ajoute ça, la dispersion des formations politiques et de l'opposition, on comprend le succès de ces deux leaders, qui, donc, sont populistes parce qu'ils s'adressent à un peuple qu'ils construisent. Chacun a construit son peuple, n'est-ce pas ? D'ailleurs, l'un a eu 1 million, c'est presque l'ensemble des voix qu'a obtenu le Parlement, et l'autre, évidemment, au second tour, l'autre, disons, au premier tour, donc les deux ont gagné, mais au second tour, la dynamique qui a été créée a permis à l'un de perdre, mais il perd avec 1 million de voix, hein. Et l'autre perd avec une forte majorité, et le premier tour a permis une dynamique d'entraînement de tout l'ensemble de la société. Et alors, dans les deux cas, les deux leaders se sont présentés comme les représentants d'une société en opposition avec l'oligarchie. L'oligarchie avec l'élite politico-administrative et l'oligarchie économique corrompue. Donc ils ont créé une fusion contre cette oligarchie qui a perdu, c'est pas qui a été. Et en plus, Kais Saied a bénéficié d'algorithmes numériques qui ont aussi favorisé cette. Donc lui aussi a pu utiliser les réseaux sociaux. Et j'aime toujours comparer la réussite de Kais Saied à la réussite de Zelensky en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé avec Zelensky ? Zelensky, c'est un comédien qui a créé une série télévisée où il joue le rôle du professeur honnête. Et en tant que professeur honnête, il s'est présenté aux élections. Il arrive au second tour avec 32%. Au premier tour, avec 32%, et au second tour, il arrive à 70%. 73,2%. Ou 73,2%. Donc, les Ukrainiens ont rejeté la classe et ont accepté le saut vers l'inconnu. Alors, la question qui se pose, pourquoi la démocratie représentative en Tunisie a-t-elle produit cette forme de populisme? Pourquoi? Alors, la réponse, est très simple. Elle se trouve premièrement dans les caractéristiques de la crise institutionnelle de la représentation en Tunisie.
il y a une crise de représentation en Tunisie. Le deuxième trait, c'est la crise du système du parti. Et le troisième syndrome, c'est la crise du pouvoir. La représentation, la crise de la représentation, je pense que vous la connaissez, c'est pas la peine, je peux l'évoquer rapidement. Le Parlement ne reproduit pas la société. Il ne reproduit ni les jeunes, ni les pauvres. Donc cette idée que le Parlement reproduit la société ne se réalise pas. Alors, la proportionnelle n'arrive pas à dégager une majorité qui puisse décider et piloter le pays. Rôle suspecté de l'argent. Les listes d'élections législatives sont élaborées par les partis et imposées d'en haut aux électeurs. Les listes n'émanent pas de la base des citoyens. Les citoyens se sont réduits en une machine à voter, sans que le vote se traduise en voix. Je vote, mais ma voix n'est pas entendue. Les parlementaires représentent des intérêts qui ne reflètent pas nécessairement les intérêts des électeurs. Et ça, c'est une crise de la démocratie représentative, pas seulement en Tunisie, mais aussi en Angleterre, en France. En Angleterre, on a tué un député pro-Brexit, une députée, je crois. Et actuellement, les députés en Angleterre circulent sous garde rapprochée, parce qu'on pense qu'ils ne représentent plus l'intérêt et qu'ils bloquent la société. En France, c'est le même phénomène. On attaque surtout les agriculteurs après les fameux accords avec le Canada, on attaque les députés des régions. Ils ne représentent plus les intérêts. Les partis, la même chose. Les partis n'émergent pas de la société. Ils ne sont pas l'expression d'une demande sociale. Ils ne vont pas du bas au haut, mais du haut en bas. Ils présentent une offre. Ils n'expriment pas une demande sociale d'un groupe social ou d'une classe sociale. Les partis ne sont pas ancrés dans la société. Ils n'expriment pas sa dynamique. Les partis se transforment en entreprises privées, appartenant selon une forme de patente à un seul individu. Les partis captent l'énergie sociale publique et la privatisent. Les partis n'expriment pas aucune réalité sociale. Les hommes politiques qu'ils génèrent sont plus préoccupés de leur carrière politique que de l'intérêt général. Les partis prolifèrent, se désagrègent, leurs membres nomadisent d'une formation à l'autre. Le seul parti qui s'est maintenu et a échappé à la déségrégation, c'est un parti de référence religieuse à orientation populiste. Parce que la nave est populiste puisqu'elle vend la religion. La religion est populiste. La religion permet de converger tout le monde, toutes les classes sociales. Donc elle peut capter cette énergie. Alors, elle préfère donc, mais elle n'est pas populiste au sens de Chantal Mouffe, parce qu'elle pratique le consensus. Elle pratique le consensus, donc elle finit par perdre sa charge populiste. Et une partie de son électorat est perdue et elle risque d'être assimilée au système dominant. Évidemment, ceci se traduit par une crise du pouvoir. Il n'y a pas de décideur. Il n'y a pas quelqu'un qui assume la décision et qui puisse piloter le pays. Alors, absence de décideur, absence d'incarnation,
et naissance d'une oligarchie formelle. Alors, si on veut essayer d'appliquer l'idéal type de raison valant au leader vainqueur, au leader populiste vainqueur, qu'est-ce qu'on peut dire? En quoi le leader vainqueur est-il populiste? C'est la question. La deuxième question, est-ce que le leader vainqueur est-il en mesure d'instaurer un pouvoir populiste dans le pays? Ça, c'est une question très importante. Elle concerne le destin de la nation. Alors, les caractéristiques du leader populiste vainqueur peuvent être déclinées de la manière suivante. Première caractéristique, incarnation du peuple. Le leader populiste se présente comme l'incarnation du peuple et de sa volonté. Vous savez, il y a un politicologue italien qui vient de publier un livre qui s'appelle Marc Lazare, et le livre est intitulé Popolocrazia. Peuplocratie. Il enlève la démocratie, il met le peuple. Donc le peuple, et il dit que la peuplocratie, maintenant, c'est un nouveau système comparable au fascisme et au totalitarisme. C'est un nouveau système qui émerge et qui émerge de la crise de la démocratie. Deuxième élément, la structure discursive. Le discours du leader populiste va scander sur le monde de l'incantation des signifiants vides ou flottants. Vide ou flottant. Ce n'est pas péjoratif. Hein. La vie politique est pleine de signifiants flottants. Qu'est-ce qu'un signifiant flottant? Vous savez tous que un signifiant flottant, c'est un signifiant qui n'a pas de signifié. Hein? D'après Saussure, un signifiant avec un signifié, qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce qu'il donne un signifiant avec un signifié? Ta communication. Une très communication. Un signifiant avec un signifié, ça donne quoi? Un mot, c'est quoi? Un message, c'est quoi? Donc, dans la langue de Saussure. Le sens. Signifiant, signifié, dans la langue de Saussure, ça donne? Ça donne un signe. Ça donne un signe. Alors, lorsque c'est. Et nous vivons donc dans le discours, et on a des signifiants flottants, alors vous avez beaucoup de signifiants flottants, n'est-ce pas? Le peuple, la liberté. Dans le slogan, vous avez des signifiants flottants. Alors. Signifiant flottant, Tatbir, c'est un signifiant flottant. Demandez à quelqu'un que signifie Tatbir, je ne sais pas. Est-ce que le fait d'être à l'ONU avec Israël, Tatbir, on ne sait pas. C'est un signifiant flottant. Mais le signifiant flottant a cette capacité d'être ouvert, de permettre aux gens de se projeter, de s'identifier, et donc d'être mobilisé. En outre, la pratique de l'arabe classique est très intéressante aussi parce qu'elle favorise l'exaltation d'un registre de l'identité religieuse, nationale, pan-arabe, et augmente la distance vis-à-vis des langues et aussi vis-à-vis de l'extérieur, de français, d'anglais, etc. Donc ce qui permet de renouer avec un univers de morale authentique.
presque médiévale, avec une pratique d'une rhétorique emphatique et épique. Et vous savez, Marx rêvait lorsqu'il dit, Marx disait, il faut que la démocratie dépérisse pour revenir au Moyen-Âge où il n'y avait pas d'intermédiation institutionnelle entre le peuple et le pouvoir. Il faut que le peuple accède directement au pouvoir comme au Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Troisième trait, symbole de cristallisation. Le leader populiste parisien cristallise par sa sobriété, sa répulsion d'argent, l'hostilité idéologique qu'éprouve le corps. Qu'est-ce qu'il cristallise ? Cette hostilité vis-à-vis de l'oligarchie financière et de l'élite politico-administrative qui s'est installée en bloc de pouvoir dans la période post-révolutionnaire. Quatrièmement, rôle de jeune. Le leader populiste utilise la jeunesse ses compétences cybernétiques comme moteur de mobilisation collective en se présentant à la faveur de son capital symbolique. Vous savez, Nabil Qarbi a un capital financier, lui a un capital symbolique, c'est très important le capital symbolique. Ça n'a pas de prix et c'est très important. Donc, défenseur des valeurs de la droiture, de la moralité authentique, et donc toutes les catégories, même si elles sont antagonistes, convergent vers ces valeurs. Conservatisme, logique populiste et de s'enraciner dans les valeurs défendues par le peuple, et non dans les valeurs de l'élite, perçu comme occidentalisé, lié à l'esprit des Lumières. Le discours populiste va être davantage religieux et nationaliste qu'universaliste. Il va essayer de remettre en cause le droit positif en substituant société de droit à l'état de droit. Si c'est la société qui produit le droit et non l'élite contrôlant l'état, il devient logique de reconnaître la charia comme forme et source de droit. Sixièmement, force constituante. Le discours populiste exalte le peuple comme force constituante et lieu de la décision et de programmation. Et le peuple commence par la communauté locale, qui doit prendre en charge son destin indépendamment du pouvoir central. Septième trait, absence de programme politique. On a dit pourquoi il n'y a pas de programme économique. Mais la réponse est très simple. Le raisonnement économique dissocie l'économie du social. L'économie est née à partir de cette dissociation. Pauliani a parlé de désencastrement de l'économie et du social. Si je parle d'économie, j'oublie le social, tout de suite. Je parle de catégorie, etc. Donc l'économie dissocie l'économie du social et transforme le peuple en objet passif, soumis à des agrégats économiques, à des plans. Le programme économique est le fait de l'élite qui contrôle le pouvoir central et exclut les acteurs locaux, représentants du peuple. D'où l'absence de programme et de réflexion économique dans le discours populiste du leader vainqueur, préoccupé par la construction de l'édifice qui permet au peuple de se prendre en charge et exclut les organisations intermédiaires comme les partis et les experts. Alors, dernière question, y a-t-il possibilité d'instaurer un pouvoir populiste en Tunisie? Et je termine par cette question. Y a-t-il une possibilité d'instauration d'un pouvoir populiste en Tunisie?
Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Hein. C'est une question de prospective. Alors, la vague populiste a réussi à faire élire un leader populiste à la présidence de la République. Réussira-t-elle à instaurer un pouvoir politique continuisé? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un Pais Saïd comme Chavez, ou comme Gaïtan, ou comme Perron? La société tunisienne va-t-elle se latiniser pour produire ce type de pouvoir? Rappelez-vous, ce qui caractérise la société d'Amérique latine, c'est cette opposition entre une masse et une oligarchie. Une masse de pauvres et une oligarchie financière. C'est-à-dire, la société d'Amérique latine n'a pas de classe sociale. Alors, l'élection du leader populiste doit-elle interpréter comme une réaction au dysfonctionnement de la démocratie représentative? Un rejet de la classe politique liée à une oligarchie corrompue, ou le signe d'une tendance profonde qui finira par produire un pouvoir populiste hostile au parlementarisme. Rappelez-vous, le pouvoir populiste déteste le parlementarisme. Le leader populiste qui gagna les élections est porteur d'un projet populiste en rupture avec le fonctionnement politique actuel, fondé sur le parlementarisme et la dominance des partis. Alors, dans quelle mesure pourrait-il le réaliser et à quelles conditions? Dans le monde, les différentes expériences populistes ont échoué. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit en Grèce avec Syriza, Podemos en Espagne, ou même Salvini. Salvini a fini par perdre. Syriza a fini par se plier à la raison gestionnaire et financière de l'Union européenne. Alors, les obstacles que le populisme doit surmonter. Alors, ce n'est pas facile. En première réponse, la société tunisienne n'est pas la société d'Amérique latine. C'est une société très différenciée. Donc, il va y avoir beaucoup d'obstacles. D'abord, on peut invoquer le contexte institutionnel de la démocratie représentative établie depuis la Révolution. Alors, il semble difficile à l'évoquer, n'est-ce pas? Difficile à faire disparaître au risque d'un chaos. Un régime populiste et identitaire et conservateur risque donc à se heurter à l'hétérogénéité de la société tunisienne. La société tunisienne est très hétérogène, très différenciée. Et à l'opposition des représentants de la société civile, dont la transformation en une masse compacte asservie à un guide inspiré semble, du moins pour le moment, improbable. Écoute, observez très bien que cette idée de guide inspiré commence à faire son chemin. Qudwa, l'idée de Qudwa, commence à faire son chemin. La société tunisienne diversifiée reste différente des sociétés d'Amérique latine qui ont produit le populisme et qui se distingue par l'absence de classe sociale différenciée. Le suffrage universel, certes, favorise le populisme parce qu'il permet l'émergence du guide adulé par le peuple. Mais la proportionnelle dans l'élection parlementaire semble en Tunisie endiguée et équilibrée, ce que le suffrage universel comporte de risques et d'aventures. Les deux pays qui ont connu le fascisme, l'Italie et l'Allemagne, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel. Ils ont peur du suffrage universel.
Ce n'est pas un hasard que le pays qui a connu donc en Suisse, le président de la République n'est pas connu. Il est anonyme. On n'en parle jamais. Le succès massif d'un leader populiste en Tunisie, contrastant avec l'échec électoral des partis qui peinent à former un gouvernement, ça, il faut le reconnaître. Il y a une inadéquation du parlementarisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à satisfaire le peuple. Il semble que le peuple, les préférences du peuple, s'oriente vers un régime présidentiel. Ce qui anticipe sur un retour possible, mais pas sûr, à plus ou moins long terme, d'un régime présidentiel qui fournit au peuple un chef décideur à l'écoute de ses demandes et en résonance avec ses aspirations. Alors je veux terminer par la formule de Claude Lefort lorsqu'il définit la démocratie. Voilà comment il la définit. La démocratie, dans la démocratie, dit Claude Lefort, le lieu du pouvoir est vide. Dans la démocratie, le lieu du pouvoir est vide. Pourquoi il est vide? Parce que la démocratie désincorpore le pouvoir incarné dans le corps du roi, elle enlève le roi et elle enlève son corps. Et parce qu'elle désintrigue la loi du savoir et de l'exécutif, la séparation. Le populisme, lui, semble vouloir, dans son élan utopique et épique, il veut remplir ce vide. Il faut remplir ce vide par quoi? Par le corps du leader et transformer le peuple en magistrat, législateur et probablement exécuteur. Et je vous remercie pour votre attention.